puis tu mettais simplement le micro de la caméra, elle marche aussi. Logitech ? Ouais. Ok. Alors. Et là, est-ce que ça marche ? Oui, on entend. Mais génial, c'est admirable de lapin. Voilà. Donc, je disais. Je parlais de... Oui, donc vous n'avez rien entendu en fait. D'accord. Bonjour, comment vous allez bien? je disais qu'on va parler de ce que vous avez lu, peut-être ce que vous avez écrit, on ne sait jamais, il y a peut-être des gens qui sont en train d'écrire des choses. Je dis ça comme ça, totalement par hasard. Et puis moi, je vais vous dire aussi ce que j'ai lu, ce que j'ai vu. Et là, j'ai été au Centre international de la Bouche. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un petit village qui s'appelle La Bouche. Et puis, en fait, il y a une salle. Ça s'appelle la salle de la belle équipe. Et dans cette salle de la belle équipe, il y avait Pessoa qui était là. Enfin, il y avait quelqu'un qui jouait du Pessoa. C'était vraiment sympa. C'est Natacha. Je me rappelle pas son nom de famille, mais c'est de, en fait, elle fait partie de la compagnie Amphigouri Théâtre, voilà. Et c'était un truc magnifique sur Pessoa. Et puis, bah, je me suis dit, on va commencer par Pessoa, parce que dans la chronique de la vie qui passe, je trouve que c'est pas mal. Allez. Récemment, dans la poussière de quelques campagnes politiques, on a vu ressurgir cette grossière habitude de polémiste qui consiste à reprocher à quelqu'un de changer de parti une ou plusieurs fois ou de se contredire fréquemment. Les gens du commun qui ont coutume d'avoir des opinions continuent à utiliser cet argument comme s'il était péjoratif. Peut-être n'est-il pas trop tard pour définir sur un sujet aussi délicat des rapports intellectuels la véritable attitude scientifique. S'il est un fait étrange et inexplicable, c'est bien qu'une créature douée d'intelligence et de sensibilité reste toujours assise sur la même opinion, toujours cohérente avec elle-même. Tout se transforme continuellement, dans notre corps aussi, et par conséquent, dans notre cerveau. Alors, comment, sinon pour cause de maladie, tomber et retomber dans cette anomalie de vouloir penser aujourd'hui la même chose qu'hier, alors que non seulement le cerveau d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier, mais que même le jour d'aujourd'hui n'est pas celui d'hier. Être cohérent est une maladie, un nativisme peut-être. Cela remonte à des ancêtres animaux, à un stade de leur évolution où cette disgrâce était naturelle. En outre, la cohérence, la conviction, la certitude sont des démonstrations évidentes et si souvent inutiles d'un manque d'éducation. C'est manquer de courtoisie envers les autres que d'être devant eux toujours le même. C'est les ennuyer, les gêner, par notre défaut de diversité. Un être doté de nerfs modernes, d'une intelligence sans œillère, d'une sensibilité en éveil, a le devoir cérébral de changer d'opinion et de certitude plusieurs fois par jour. Il doit avoir non pas des croyances religieuses, des opinions politiques, des prédilections, mais des sensations religieuses, des impressions politiques, des élans d'admiration littéraire. Certains états d'âme de la lumière, certaines attitudes de paysage sont en droit, surtout s'ils sont excessifs, d'exiger de celui qui se trouve devant eux des opinions politiques, religieuses et artistiques déterminées, celles qu'ils suggèrent et qui changeront. Bien entendu, selon les variations de cet aspect extérieur. L'homme discipliné et cultivé fait de sa sensibilité et de son intelligence les miroirs du milieu ambiant transitoire. Il est républicain le matin, monarchiste au crépuscule, athée sous un soleil éclatant et catholique transmontain à certaines heures d'ombre et de silence. Et ne jurant que par Mallarmé à ces moments de la tombée de la nuit sur la ville où éclosent les lumières, il doit sentir que tout le symbolisme est une invention de fou quand, solitaire devant la mer, il ne sait plus que l'Odyssée. Des convictions profondes, seuls en ont les êtres superficiels. Ceux qui ne font pas attention aux choses ne les voient guère que pour ne pas s'y cogner. Ceux-là sont toujours du même avis. Ils sont tous d'une pièce et cohérents. Ils sont du bois dont se servent la politique et la religion. C'est pourquoi ils brûlent si mal devant la vérité
et la vie. Quand nous éveillerons-nous à la juste notion que politique, religion et vie en société ne sont que des degrés inférieurs et plébéiens de l'esthétique, l'esthétique de ceux qui ne sont pas encore capables d'en avoir une? Ce n'est que lorsqu'une humanité libérée des préjugés, de la sincérité et de la cohérence aura habitué ses sensations à vivre indépendante qu'on pourra atteindre dans la vie un semblant de beauté, d'élégance et de sérénité. Voilà, ça c'est un texte donc, qui a été écrit le 5 avril 1915 et qui n'a pas pris une ride, qui est dans Fernando Pessoa, Chronique de la vie qui passe, aux belles lettres. Voilà. Et puis, je ne sais pas si Laura est là, si elle peut mettre le lien avec la compagnie Amphigouri Théâtre. Voilà. Alors, je vous ai déjà parlé de ce livre de Anis Bergman-Zercher, qu'on a dû réimprimer parce qu'il y a un succès incroyable. Elle est assaillie hein, dans sa boîte aux lettres, elle a des mots, les gens viennent frapper à sa porte. Voilà, c'est, il y a beaucoup de demandes, voilà, et il vient tout juste de paraître. Et alors, il y a donc c'est Récits du bas seuil, parcours d'une infirmière, préface de Anne-Catherine Ménétré-Savary, et c'est avec un lectorat de François-Xavier Cottin, et ça me dit quelque chose ce nom-là. C'était pour moi quelque chose de tout à fait logique de savoir que les requérants d'asile subissaient une fouille de leurs affaires et une autre, corporelle celle-ci, à chaque entrée au centre. Je le comprenais, et le comprends toujours, comme une mesure de sécurité indispensable. J'ai même souvent soigné des patients qui étaient infiniment soulagés par cette procédure, tant ils se sentaient menacés, pourchassés par des sbires à la solde de gouvernements corrompus, ou des mafieux qui voulaient faire taire leur voix. Certains étaient des journalistes ou des personnages politiques d'opposition qui avaient de bonnes raisons de craindre pour leur vie. D'autres avaient, au fil de leurs difficultés, développé ce qui nous apparaissait comme une forme de schizophrénie paranoïaque et se sentaient terrorisés pour des raisons qu'ils ne développaient pas. Quelques-uns encore craignaient beaucoup d'affronter des compatriotes ou des ressortissants de telle ou telle ethnie. Je n'ose même pas imaginer le chaos qu'aurait provoqué l'introduction d'une arme dans le bâtiment. L'identité des requérants était protégée et, administrativement, ils répondaient à un numéro pour leur propre sécurité. Les photos étaient bien entendu interdites. L'arrivée d'alcool ou de substances illicites aurait rapidement amené des situations ingérables. Même les médicaments personnels du type barbiturique ou psychotrope étaient saisis et devaient être administrés par le personnel infirmier pour éviter qu'ils soient volés et atterrissent entre de mauvaises mains. C'est quand le centre a commencé à accueillir des contingents d'une trentaine ou d'une cinquantaine de personnes à la fois et qu'il a fallu de ce fait rationaliser tout le travail d'enregistrement que j'ai réalisé ce que représentait vraiment le fait de demander asile dans un pays d'Europe. Dans ces moments, je travaillais pour ainsi dire à la chaîne, avec la sécurité et les assistants d'hébergement, récupérant les dossiers médicaux, vérifiant et interceptant les médicaments qui pouvaient poser problème, contrôlant très sommairement les paramètres vitaux et isolant les potentiels malades contagieux. Rien de trop intrusif pour ma part du travail. Plutôt une opportunité de faire un peu connaissance et de signaler une disponibilité. J'aimais ce défi, même s'il était astreignant de garder une attention intacte et pointue pendant de si grands moments. Les familles spécialement attiraient mon attention, souvent en transit depuis 2 ou 3 jours, après des mois ou des années d'attente dans des campements très sommaires, les traits tirés, les vêtements froissés, les enfants disciplinés et bien alignés, tellement désireux de ne pas déranger, de faire tout ce qu'il fallait pour bien commencer. Mais malgré tout, en voyant ces files d'hommes, de femmes et d'enfants attendre pour ouvrir et exposer tout leur bagage, tous leurs documents, leurs téléphones portables, leurs vêtements, leurs affaires de toilette, les souvenirs emportés, toutes leurs maigres possessions, et passer derrière une cloison pour subir une fouille par palpation rapide, j'ai commencé à être un peu plus consciente de ce qu'ils devaient ressentir, sans pour autant jamais savoir ce que cela pouvait intimement provoquer chez eux. Nous faisions tout notre possible pour respecter leur dignité et agir avec autant de tact et de discrétion que possible, mais que cela était cher payé pour obtenir une couchette dans un dortoir, même en sécurité. À leur place, et je n'y suis en rien, j'ai le sentiment que je me trouverais humilié
par mon impuissance, par l'idée d'être dépendante du bon vouloir d'une équipe d'inconnus, uniquement là pour décider de me laisser entrer ou pas. Voilà. Témoignage magnifique de Annelise Bermeser-Scher qui a été pendant près de 20 ans dans un centre de requérants en Suisse et en fait qui est partie suite à un burn-out. Voilà, ça vient de paraître aux éditions d'en bas. Alors, après on s'est déplacé avec mon camarade Antonin à la Coulou à Genève. Autour de ce livre-là, donc il nous avait invités, La Coulou, je vais vous dire ce que c'est. Alors, depuis bientôt un demi-siècle, la fondation Carrefour Rue et Coulou vient en aide aux personnes vivant dans la rue, sans abri ou démunies à Genève. En 1986, son fondateur, Noël Constant, a ouvert un premier lieu pour personnes sans abri, la Coulou. En 2023, la Fondation regroupe une vingtaine de lieux, offrant de l'accompagnement, des repas, de l'hébergement, des boutiques et diverses activités. Voilà. Et donc, ce livre-là, La charité, ses noyelles droit dans la fosse à Pura de la pitié, c'est un ouvrage qui est très illustré, voilà, qui fait voir aussi le contraste entre richesse et pauvreté, qui sont des photos aussi... soit qui ont été prises, soit bonjour Laura, qui ont été prises soit à la Coulou, soit dans d'autres lieux. Donc les auteurs, c'est Ricardo Willig, qui est le photographe, Verena Keller, qui travaille à la HETSL, à la Haute École Sociale de Lausanne, et Yann Cerf qui est anthropologue. Ce livre est dû à l'initiative du photographe Ricardo Willig. Devenu bénévole à la fondation Carrefour Rue et Coulou, il a photographié des personnes qui s'y rencontrent, des bénéficiaires, des bénévoles, des salariés et des donateurs. Lors des multiples moments passés auprès des personnes dans la pauvreté, il était confronté à la bonne conscience que confère la charité et s'est questionné sur son propre rôle de photographe. De là, après 2 ans, a émergé le projet d'un livre de photos. Il s'est vite avéré que ces images ne pouvaient pas à elles seules éclairer Paris interrogations. Il fallait des mots. Il s'est alors tourné vers 2 amis, Yann Cerf et Verena Keller. Les deux avaient publié des recherches dans le domaine des pauvretés et de la protection sociale. Yann Cerf, anthropologue, a fait de l'ethnographie à la Fondation Carrefour, Rue et Coulou. Verena Keller a travaillé comme assistante sociale avant d'être professeure en travail social et politique sociale. Voilà. Donc, ça c'est un bouquin que je trouve enfin bien, après c'est nous qui l'avons publié donc, mais vraiment intéressant, et puis on va faire plein de choses avec les personnes du centre, on va faire des rencontres et tout ça, et ça je me réjouis vraiment du futur, ça va être génial. Voilà, allez, un peu de poésie, c'est joli. Alors, ce sont des poèmes de Léon-Paul Fargue, poèmes suivis de Pour la musique. Donc ça, c'est dans cette belle collection que j'adore, qui est... Où est-ce que je retrouve ça? Si je vais trouver là. Voilà. Donc celui-ci, il date... de 1944, premier trimestre 1944. Et je vais vous lire juste un poème. J'ai trouvé ce poème, mais vraiment extraordinaire. La sonorité de ce... Enfin, vous allez écouter. Intérieur. Des toiles, des choses sèches pendent aux poutres. Le vieux fusil dort fixement au mur clair. Rêve à ton gré, tout est comme autrefois. Écoute, la haute cheminée fait sa plainte ancienne et son odeur éteinte, et tasse son échine de vieil oiseau noir. Elle porte encore au front ses images d'âme crue et ses vases de loterie au prénom d'or.
et l'horloge recluse dans l'ombre et la bure berce son cœur avec une douceur obscure. Pareils à des visages ronds de spectateurs, les plats se penchent au balcon du vieux dressoir, où des files de fruits qui font la chaîne fleurent dans leur ruelle d'ombre couleur d'aubergine. J'ouvre un tiroir où je vois passer des noix vides, un gros couteau à 20 lames qui contient tout, et l'ombre de mes mains qui glisse sur les choses. Et ce sont des couleurs vivantes, refroidies, et ce sont des odeurs d'intimité survie. Ça sent la malle et le poivre des vieux départs, et le livre de classe, et la chapelle éteinte. Un vent tiède pousse des guêpes frappées à la lucarne bleue. Un grand chat doucement passe comme on chuchote, et vous lève un regard où veille l'ennui sage. Du soleil dans la douve aux lentilles d'or vert, sois calme, tout est là comme autrefois. Écoute, c'est waouh. J'avoue que ce poème, je le trouve incroyable. J'ai lu plusieurs fois. En fait, c'est assez drôle parce que je me suis dit quel poème je vais prendre. Et je pensais en prendre plusieurs. Et puis, en fait, je me suis arrêté vraiment sur celui-là. Et je me suis dit, c'est le... Voilà, j'ai vraiment... Donc, c'est intérieur, ce poème. Voilà. C'est vraiment incroyable. Voilà. Je suis retombé sur ce livre que mon amie Jacqueline Pecker m'a offert. Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude de Mahmoud Darwich chez Actes Sud. Et je vais vous lire juste un poème. Mais on va écouter d'autres poètes palestiniens après. Moi, j'espère que vous allez bien. En fait, il y a du monde. Je regarde parce que moi, je parle. Vous taisez. Ah, oui, il y a pas mal de monde. Super. Moi, je sais pas, vous ne lisez pas, en fait. Vous ne lisez pas, vous écrivez pas, vous faites rien. Enfin, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez me le mettre, hein, sinon vous pouvez chatter. Puis dire, non, non, je ne lis pas. J'ai pas envie de lire. C'est votre choix. Hein. Vous pouvez boire du café aussi. Vous fumez une cigarette. Ça vous la coupe. Les humeurs d'Anat. La poésie est notre échelle à une lune qu'Anat suspend sur son jardin. Miroir pour des amants sans espoir, et elle repart dans les landes de son âme. Deux femmes jamais réconciliées. L'une ramène l'eau à la source, l'autre guide le feu dans les forêts. Quant aux chevaux, qu'ils dansent longtemps sur deux précipices. Ni mort là-bas, ni vie, et mon poème est l'écume du souffle, le cri de la bête dans sa montée vers les cimes et sa chute nue. Anat, je vous désire toutes les deux, amour et guerre. Emporte-moi vers la géhenne. Anat, je t'aime. Et Anat se tue en elle-même, pour elle-même, et elle recrée la distance. Que passent les créatures devant son image lointaine, en Mésopotamie et en Syrie? Et les points cardinaux obéissent au sceptre d'azur et à l'anneau de la Vierge. Ne t'attarde pas dans le monde inférieur. Reviens à la nature et au caractère, Anat. Les eaux du puits ont tari après toi, les vallons sont arides, les fleuves sont à sec depuis ta mort, les larmes se sont évaporées de la jarre de terre et l'air s'est brisé de sécheresse, tel un morceau de bois. Nous sommes cassés comme la clôture sur ton absence, nos désirs se sont épuisés et la prière s'est calcifiée. Rien ne vit après ton trépas. Et la vie s'éteint, comme les propos de deux voyageurs en route vers l'enfer. Oh, Anat, romps ton séjour dans le monde inférieur. D'autres déesses pourraient descendre sur nous en ton absence, et nous pourrions nous conformer au mirage. Les pâtres sournois pourraient trouver une déesse près de la fumée, et les prêtresses avoir foi en elle.
Reviens donc, que revienne la terre de la vérité et la métonymie, la terre cananéenne du commencement, la terre de tes seins et de tes cuisses en libre pâture. Reviens, que Jéricho retrouve les miracles à l'entrée du temple abandonné. Ni mort là-bas, ni vie, cohue du jugement dernier. Pas de lendemain, pas de passé qui vient faisant ses adieux, pas de souvenir échappé de Babylone survolant notre palmier. Et pas de rêve qui soit notre compagnon de veille pour que nous habitions une étoile. Elle est le bouton de ta robe, Anat. Et Anat se crée d'elle-même, pour elle-même, et s'envole derrière les vaisseaux des Grecs sous un autre nom. Deux femmes jamais réconciliées quant aux chevaux qu'ils dansent longtemps sur deux précipices. Ni mort là-bas, ni vie. Et je ne vis pas là-bas, ni ne meurs. Ni Anat, ni Anat. Waouh, Mahmoud Darwish, voilà. Oui, j'ai une belle vapoteuse. Et j'en ai une bleue et une noire. Pourquoi as-tu laissé le cheval à sa solitude? Est-ce que ça marche? Il y en a une, il faut que j'appuie, puis pas l'autre. Celle-là, il faut que j'appuie. Mais j'ai une belle tasse aussi, une belle maille. Très large. Bon. Alors, Action Poétique, qui est une revue qui est vraiment assez. Alors celle-là, c'est le numéro 178, qui vient aussi de chez mon amie Jacqueline, et qui était parue. C'était quelle année? C'est pas grand chose. Mais... En 2004. Et dedans, il y a ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est les poètes d'aujourd'hui. Alors, il y a Mahmoud Darwish, mais je vais pas vous relire un poème de Mahmoud Darwish. Par contre, il y a un poème de Othman Hussein qui est traduit par Hassan Taaban, que je trouve très. Ouais, écoutez. À Gaza, j'ai l'air poli, silencieux, tirant l'air épais avec douceur. Dans un coin, j'ai laissé ma tasse de café. Tu m'attires où tu te trouves. Je suis de plus en plus ferme. À chaque fois, tu m'entraînes. Tu laisses les rues emplies de ton souffle, toi qui es pleine de moi. Moi, fiché tel un clou éperdu, toujours dans les veines. Ce que porte l'âme mérite l'éveil de la mort qui n'est jamais seconde. Que se passe-t-il, mon Dieu? Je ne sais. Les choses bondissent derrière de pauvres rideaux. Je ne sais. Il faudra une soudaine explication. Ne sais ce qui arrive. Rien n'arrive. Rien n'est sauvé. Gaza. C'est. Wow. Et puis, un autre poète qui s'appelle Somaya El Souz. Et là, c'est également traduit de Hassan Taaban. Et il se trouve très beau. La flûte des ténèbres. Le signe de ton corps et l'exil en toi de l'âme. Âme où le corps s'exile. Chant solitaire aux mélodies amples, biographie de blancheur coupant la poussière de l'âme froide. Son silence et nostalgie, son désir parfum amoncelé depuis la création. Son étonnement et rêve de berger dans des mers gelées. La mer bruira-t-elle à nouveau de blancheur? Écume de vagues perdues étanchant la soif de rivages lointains. Ou celle fondue par des djinns d'amour et de pleurs, impatience pour une très vieille couleur noire. Les éclats de l'innocence ornent la couronne d'une nuit paresseuse qui n'a pas allumé son feu jusqu'au matin. Dans le giron de sa nuit, le berger ne conduira que la blancheur. Chacun d'eux attacha sa monture attendant au bord de la route. Une flûte de ténèbres guette leur nostalgie. Comme ce matin-là trébucha. Triste comme un désir bizarre d'étreinte, la noirceur heurte de sa grande aile les fenêtres. Son cri fatigua le vent. Son cri fatigua le vent. C'est bon.
le néant l'enveloppa, triste ainsi qu'il sied au noir, silencieux telle une âme que le désir abandonna, pour un djinn qui distribue la pensée, portant ses dons sauvages, cherchant le chemin de blancheur. Aucun tremblement ne l'a couronné, terrifié seulement par une joie, surgit des yeux d'un chat gris, qu'il dépassa en évitant l'éclat du miaulement. Il devint un rôme de lande, logeant toujours dans le mur de la malédiction. De ce cri de joie, l'étranger comprit son idée enfin mûre. Dans l'étreinte de deux blancs, il la cacha sous sa cape. Il ne l'a pas bien comprise lorsqu'elle s'effaçait timide. Un blanc lunaire fuit de la page du récit vers la déesse des ténèbres. Mûre dans les veines de la fatigue, ses pommes ont délaissé la prophétie. Le sang de la tribu ne fut pas tatoué par elle. Il se parfuma d'orange, comme joyeux. L'orange dans l'exil de la toile s'étonna de la fuite. Il l'abandonna à un ascenseur solitaire. Somaya El-Souz, la flûte des ténèbres, dans Action poétique numéro 178. Alors, on va passer totalement à autre chose. On est en train de lire un bouquin avec mon amoureuse. On ne l'a pas fini, hein. Mais là, on rigole de trop. Hier soir, c'était pas possible, tellement on a groserillé. On avait du mal à lire. Alors, s'il y a un bouquin qu'il faut que vous achetiez, c'est ça. La fin des coquillettes. Merci à Manon qui a commandé ça au Père Noël. Voilà, un récit de pâte et d'épée. De Claire fait grrr, et effectivement, elle fait grrr des fois. Aux éditions Binge Audio Edition. C'est génial, du début à la fin. Nous, on en est au chapitre, page 141, qu'on lira peut-être ce soir, qui s'intitule « De la recette des crêpes et du patriarcat ». Mais là, ce soir, je vous lis un extrait d'autre chose, qui est « De la Saint-Valentin et de Fleury Mérogis ». Vous voyez déjà les pâtes. Hein, on est dedans. Déjà, en toute honnêteté, je me suis dit que ce passage, c'était vraiment tout de suite qu'il fallait lire, parce qu'il y a un truc qui approche. Déjà, en toute honnêteté, il me semblait que le monde était dac, qu'il fallait arrêter avec la Saint-Valentin. Que peut-être, le modèle conjugal, comme sacro-saint graal de vie, ça commençait à sentir le fromage oublié. Que c'était toujours chouette, bien sûr, de célébrer l'amour. Celui de son amoureuse, d'un ami cher, de son chien baveux, de sa petite sœur. L'amour, évidemment que c'est chouette. Mais qu'il est peut-être temps de célébrer l'amour, peu importe le jour du calendrier et de la situation maritale, sans qu'il s'agisse impérativement d'un dîner aux chandelles en tête-à-tête de 20h à 22h30, avec un menu champagne levrette obligatoire à 90 boules. Je vous entends rire. Sans compter que je me coltine cette pub dans ma boîte mail à mardi matin, tout ça parce que j'ai eu le malheur de réserver dans ce resto un repas de pas du tout Saint-Valentin 18 mois plus tôt, et d'avoir réservé par mail, car parler au téléphone me file des angoisses de mort imminentes, et si vous pensez que j'exagère, essayez un peu de m'appeler pour voir. Tout occupé à me bougonner ça intérieurement, mon œil vagabonde sur le menu et tombe sur l'intitulé du plat « D'eau de biche ». D'eau de quoi? Flippez pas. Je ne vais pas me lancer tout de suite dans une diatribe végétarienne, je garde ça pour une autre fois. Mais comment ça, de biche? J'ai bien conscience que c'est techniquement pas pire que de la vache. Je suis entièrement d'accord avec ça. Et perso, j'ai arrêté de manger de la vache en 1999, mais tout de même, quel marqueteux de la restauration événementielle s'est dit « Tiens, dis donc Jean-Marc, pour la Saint-Valentin, ça te dit de leur faire manger de la maman de Bambi ?» Ça rit à côté. Hein. Je ne sais pas si vous entendez l'écho de la lecture. Autant des fois, je me dis que c'est seulement dans ma tête que c'est le boxon, autant, désolé, mais là, c'est gravé dans tout l'imaginaire collectif de tout le monde qu'une biche, c'est une maman de Bambi. C'est-à-dire le trauma originel de 3, 4 ou 5 générations. Le dessin animé de Walt Disney est sorti en 1942. Donc même si vous n'avez pas vu le film, il y a d'immenses chances pour que vous sachiez
qu'au début de l'histoire, le petit enfant Bambi voit sa maman tuée par les chasseurs, que la maman de Bambi est une biche et par conséquent, toute biche incarne désormais aux yeux du monde la maman de Bambi. Et qu'il vous semble de ce fait pour le moins incongru de proposer de la biche morte à la Saint-Valentin. Voilà ce que je rouspète. Alors si je hausse le ton, hein, c'est parce qu'elle hausse le ton aussi, elle met en majuscule. Hein. Voilà, donc j'essaye de respecter quand même sa voix. Voilà ce que je rouspète, le nez dans le fin de mes coquillettes et la main grasse sur la souris. Car au risque de vous en mettre plein la vue, je suis capable de checker mes sources tout en rouspétant, multitâche. En cherchant la date de sortie de Bambi, j'apprends que de nombreux chasseurs se sont opposés à ce film qu'ils considéraient comme une puissante œuvre de propagande anti-chasse. Il semblerait que la première mondiale prévue dans le Maine en 1942 ait finalement été annulée par le gouverneur de l'État à cause de l'opposition des chasseurs. Sur le fond, il n'avait pas tort. Bambi était un efficace message anti-chasse. Et visiblement, il l'est toujours. En 2018, un certain David Berry et sa famille sont accusés d'avoir réalisé un braconnage intensif dans le Missouri. Berry aurait tué des centaines de cerfs et de biches sur une période de 3 ans, et ce, de façon totalement illégale, de nuit, dans le but de faire des trophées avec les têtes. Les shérifs du coin enquêtent donc sur ce braconnage, et finalement, le braconnier est attrapé et condamné à 1 an de prison. Mais ce n'est pas tout. Il est condamné à regarder le Bambi de Disney au moins une fois par mois pendant son incarcération. Au passage, dans une interview du shérif Brad Delay de la prison de Lawrence County, où est enfermé David Berry, le dit Brad se dit pas mal embarrassé par cette condamnation, rapport au fait qu'il ne voit pas comment ils vont projeter Bambi aussi souvent alors qu'ils n'ont qu'une seule salle de vie pour 52 détenus. Ouch! Tarte salée de réalité dans nos faces. Car se soucier du sort des animaux, c'est entièrement juste. Mais se soucier des conditions de vie des personnes détenues aussi. Et là, il n'y a pas grand monde sur le pont. Peut-être faudrait-il faire visionner aux assemblées nationales, d'ici et d'ailleurs, de jolis films d'animation sur la surpopulation carcérale. Un Bambi à Fleury-Mérogis, avec des pampans à 12 dans une cellule pour 8 et une seule chiotte cassée. Ah, j'offre l'idée au studio Disney. En plus, si tu cales une petite histoire d'évasion, tu peux replacer libéré, délivré. Donc, pouf, économique. Voilà. Ah, salut Pierrot. Ouais, alors, c'est incroyable ce livre. Hein. La fin des coquillettes, récite pas TDP, mais c'est extraordinaire. Ah oui, alors, on va continuer parce que, pas longtemps, hein, parce que je peux pas, mais il y a les droits d'auteur, donc je peux pas lire énormément. Mais quand même, on arrive sur Michael Jackson, vous allez voir. J'ai la rouspette acide, oui, mais multitâche toujours. En cherchant d'autres informations sur la symbolique de Bambi, je repense à cette info qui gisait probablement quelque part au fond de ma mémoire inutile. Mais si, vous savez, la mémoire inutile, celle qui se souvient de l'adresse de Sébastien Patignon en CE1, mais pas du code secret de la banque postale. L'info, c'est que Bambi était un des surnoms de Michael Jackson. Je décide sur le champ de chercher pourquoi donc, et bien sûr, je me claque un ramassis de sous-papiers sur le thème, blablabla, Michael Jackson, grand enfant, blabla, syndrome de Peter Pan, blabla, Neverland, bla, Disney, bla, Bambi. Ah oui. Les années 1990 furent un océan de déni concernant les agissements pédocriminels de Jackson, un joli déni enrubanné, bien empaqueté, dans du papier de soie avec écrit « Mais c'est un éternel enfant !» Depuis, les témoignages glaçants sur le comportement du chanteur ont rendu ce genre de storytelling insupportable. Je me cogne ces papiers, les yeux au ciel, ce qui n'est pas facile pour lire. Quelle torchonnerie! Et une autre anecdote sur Jackson me revient soudain en mémoire. Dans le livre de Maggie Nelson, Les Argonautes, l'autrice évoque l'argot. L'argot, c'est le bateau des Argonautes. Avouez que jusqu'ici, ça se tient. Bon, les Argonautes, c'est dans la mythologie grecque, les copains de Jason qui embarquent pour retrouver la toison d'or. Dans la mythologie, la toison d'or, c'est la toison d'un bélier, de la laine de mouton, quoi. Sauf que celle-ci est en or et que l'or, c'est déjà drôlement couru à l'époque. Pour des raisons aussi compliquées que stupides, survient une histoire de quête de la dite toison.
quête que les 80 comparses de Jason vont mener à bord de leur navire, l'Argo. Jason, ouais, pardon. Évidemment, comme c'est un périple tout plein de péripéties, le bateau se fait souvent dézinguer la tronche, puis reconstruire régulièrement, mais sans changer de nom. En tout cas, c'est ce que j'ai compris, j'y étais pas. Par conséquent, même si c'est plus matériellement le même bateau, c'est toujours le même bateau, et l'autrice d'évoquer en écho un fait étrange plus proche de nous, Michael Jackson aurait eu un chimpanzé baptisé Bubbles, qu'il aurait acheté lorsque l'animal était tout petit. Une fois Bubbles devenu adulte, Jackson s'en serait séparé et l'aurait remplacé par un autre également appelé Bubbles, un argot moderne et vivant et poilu. Enfin bref, ce bouquin, c'est complètement déjanté. C'est excellent. La fin des coquillettes, nous, on va lire de la recette des crêpes et du patriarcat, je pense, très bientôt. Bon, j'espère que vous allez bien. Yo, Pierrot, yo, tu connais ce livre, La fin des coquillettes? Je trouve ça incroyable. Allez. Je vais vous lire une poésie de Henri Pichette. C'est un très beau livre, pareil, qui vient de chez moi, Jacqueline, avec des encres. Parce que je peux en trouver une. Il y a quatre encres à l'intérieur. Elles sont petites, mais elles sont très belles. Je vous en fais voir. Voilà. Et j'aime beaucoup. Il y a un chapitre qui s'intitule « Par les jours qui se sont faits dans la muraille ». Donc ça, c'est Henri Pichette, « Poèmes offerts » aux éditions Granit. Cri des oiseaux d'Anne d'Armor, tri du rossignol bec d'or, soupir de feuilles entre arbres morts, cri de rêve sur le chevet, aveu léger comme duvet, comme un volant de pissenlit, comme une rose de Provins. Voix de veneur, bruit de galop, trompe où l'on souffle la lalie, cri de la bête sur ses fins, brise, bleu clapotis, sanglot, strident ses grassantes scieries, chuchotement, marmoterie sur le passage cadencé d'un clocheteur des trépassés. Cri de poupon dans son Moïse, plein chant, faux bourdon, vocalise. Cri de muet, cri de Paris, gros rive de charivari. Voix de rogomme dans la rue, bâtard qui pleure à la fourrière. Appel d'âme qui s'est perdue dans un dédale de prières. Cri de détresse en haute mer, cri de la choue en pleine nuit, cri d'une étoile au fond d'un puits, coulement des larmes amères, mouchoir qui tombe sur ma tombe, retour feutré de la colombe, cri de crapaud, cri de grillon, tambourinage d'oiseaux piques, frombissement d'un abeillon à l'assaut des lavandes spic, bruyatif de langue de louve, qui lave de l'eau dans la douve, pluie de glands de chêne Cécile, cantique pour Sainte Cécile. Un sourd de vue, hutte sourde de viol de gambe, cri de grive en ébriété, cri de la soie autour des jambes d'une valseuse lévitée, chanson d'aube dialectale traduite en écho de cristal. Je vous entends, voix de victoire, beau cri des filles de mémoire, amoureuse de l'avenir, accent de la gorge pâmée, cri de douceur, tendre gémir, cri du cœur de la bien-aimée. Voilà. Alors, j'ai pas fait exprès, hein, après Bambi, d'avoir la voix de veneur et le bruit de galop, trompe où l'on souffle la lalie, les cris de la bête sur ses fins. C'était pas volontaire, mais c'était assez drôle que ça. Voilà. C'était vraiment totalement involontaire. Qu'est-ce que je vais vous lire? René Avenel. Alors, René Avenel, j'ai trouvé cette poésie. Et bah, toujours mon amie Jacqueline. Donc ça, c'est aux éditions de La Tour du Guet. C'est un bouquin qui est paru quand? En 54. Ça, le titre du livre, c'est Saison. Voilà, édition de La Tour du Guet. Et comme mon amie Jacqueline habite à Paris. Voilà. Villanelle des moineaux parisiens. C'est un gavroche avec des ailes, le bras moineau parisien dans les jardins sous les tonnelles,
Il n'est pas loin. Si tu l'appelles en sautillant, voici qu'il vient. C'est un gavroche avec des ailes. Voici les mâles, les femelles, quémander un peu de ton bien dans les jardins sous les tonnelles. Quelques miettes de pain, les belles, semble dire le plus ancien. C'est un gavroche avec des ailes. Et toutes, même les cruelles, d'émietter le pain quotidien dans les jardins sous les tonnelles. Il va jusque sous les semelles, picorer pour n'en perdre rien. C'est un gavroche avec des ailes, et jouvenceau et jouvencelle, chacun à chacune y met du sien, dans les jardins sous les tonnelles. Mais quand il pleut dans les nacelles, dont les branches sont le soutien, c'est un gavroche avec des ailes, qui barbote jusqu'aux aisselles, en maudissant ce temps de chien dans les jardins sous les tonnelles. Puis, quand sèche ses plumes frêles, ébouriffées comme un vaurien, c'est un gavroche avec des ailes dans les jardins sous les tonnelles. Bonsoir, Bastia. Voilà, c'était un poème de René Avenel dans Saison. Bon, alors, comment vous allez bien, toutes et tous? Ah, mais il y a du monde, c'est super. Ferdinand et Eugénie qui regardent. Il y a Ferdinand et Eugénie qui regardent. Mais alors, bonsoir Ferdinand et Eugénie. Mais alors, qu'est-ce que je vais dire pour Ferdinand et Eugénie? J'ai trouvé quelque chose. Ne quittez pas, j'arrive. Ne quittez pas, j'arrive. J'arrive, j'arrive. Pour Ferdinand et Eugénie, je vais lire des artistes à quatre pattes pour Ferdinand et Eugénie. Ah, vous ne saviez pas, hein, que Ferdinand et Eugénie étaient là. Et bien voilà, ils sont couchés maintenant. Ah zut. Comment ça, ils sont couchés maintenant? Il faut les réveiller. Réveiller les enfants. Parce qu'il y a des artistes à quatre pattes. Attends, je monte la lecture à eux. D'accord. C'est génial de pouvoir monter la lecture comme ça. Alors, pour Ferdinand et Eugénie, mais pour vous aussi, pour Bastia, pour toutes les personnes qui. Pour Pierrot 222, 22, 22, c'est bon. Alors. Bonsoir Ferdinand, bonsoir Eugénie. Très heureux de vous voir sur ce Twitch avec des artistes à quatre pattes. Ah. Comment les animaux obtinrent leur couleur? Il faisait beau ce soir-là. Le soleil couchant embrasait le ciel au-dessus de la steppe africaine. Le lion, roi des animaux, les avait tous invités à une assemblée extraordinaire. Pourquoi le roi les faisait-il venir? Les animaux s'étaient rassemblés, curieux de connaître la raison de cette invitation. Assis en silence, ils attendaient que le lion se mette à parler. Même le petit léopard s'était arrêté de gambader. Le roi lion se leva solennellement. Il toussota un peu pour s'éclaircir la voix et s'adressa à eux. Je vous remercie, Ferdinand et Eugénie, d'être venu. Comme vous le savez, ma femme vient de donner naissance à un fils et nous en sommes très heureux. Nous vous invitons tous à une grande fête pour célébrer cet événement. Il y aura assez à manger et à boire et nous inviterons des musiciens. Puis il respira profondément et s'assit. Tous les animaux applaudirent et remercièrent le roi lion pour cette invitation. Ils se levèrent et prirent lentement le chemin du retour. Mais subitement, ils furent pris d'une étrange effervescence. On les entendait murmurer, chuchoter, et tous se demandaient comment ils allaient pouvoir se faire beau pour l'occasion. Ils réfléchirent toute la nuit, ils fourmillaient d'idées, et certains s'imaginaient déjà dans leurs plus beaux habits. C'est le petit léopard, le lendemain matin, qui eut la meilleure idée. Et si on se peignait avec de belles couleurs? Oh, formidable! Ils furent tous enthousiastes et le petit léopard était ravi. Ils se mirent au travail. Les singes allèrent chercher des branchages pour en faire des pinceaux qu'ils préparèrent soigneusement. Les autres animaux ramassèrent des feuilles, des graines, des herbes et des racines pour faire de la couleur. Ils passèrent leur journée à écraser, moudre, bouillir, mélanger et à tamiser. C'était un travail énorme. On prépara de nombreux pots remplis de couleurs éclatantes et on put enfin commencer à se peindre.
Les artistes avaient attendu ce moment avec ce moment-là avec impatience. Les artistes pouvaient enfin laisser libre cours à leur imagination. Ils peignirent des points et des taches, des rayures, des cercles et beaucoup d'autres motifs. L'éléphant, cependant, refusait d'être peint. « Le gris est une couleur majestueuse qui me va à ravir, » décida-t-il. Il ne voulait qu'un blanc élégant et brillant pour ses superbes défenses. Cela lui semblait être la plus belle des parures. « Je n'arrive pas à voir ma carapace, » se plaignait la tortue, qui n'arrêtait pas de se tortiller le cou dans tous les sens. « Mais dépêchez-vous, » rouspétait le zèbre qui piétinait sur place, « car peindre toutes ces rayures prenait un temps fou. » Le petit léopard, lui, n'avait pas de patience du tout et n'arrêtait pas de gambader. Les peintres n'eurent pas d'autre choix. Ils prirent leur pinceau et l'aspergèrent de couleurs. La girafe, elle, attendait patiemment. Elle savait bien que sa taille poserait un problème au peintre. « Pas comme ça. Cette échelle me fait mal au cou, » se plaignait-elle. Et non, se peignait-elle. « Comment allons-nous pouvoir peindre ce long cou ?» se demandaient les peintres. « Question difficile. » Finalement, ils eurent une bonne idée. Le paon grimpa sur le dos du zèbre. De là, il pouvait atteindre le cou de la girafe. La grenouille, particulièrement téméraire, alla s'installer tout en haut d'un acacia parasol pour peindre le dessus de la tête de la girafe. « Mais arrête donc de mâchouiller les feuilles, » la grondait-elle, « sinon tu vas être pleine de taches. » Fascinés, les autres animaux observaient le spectacle. Certains étaient même un peu jaloux. La girafe était vraiment superbe maintenant. Une fois peint, les animaux commencèrent à se regarder avec curiosité et à se comparer entre eux. Chacun voulait être le plus beau. Et bientôt, une véritable dispute éclata. Ils se poussaient, se bousculaient et une grosse mêlée s'ensuivit. La dispute devenait si sérieuse que certains animaux, se mirent même à se battre. « Oh non, c'est pas marrant !» La bagarre dura toute la nuit. On entendait des « lâche-moi, sinon !» des « je vais te montrer qui est le plus fort ici !» et parfois un craintif « m'arrêtez donc !» C'est au petit matin, quand ils étaient tous bien fatigués, que le malheur arriva. Les animaux renversèrent les derniers pots de peinture et les précieuses couleurs se répandirent sur le sol. Un singe trébucha sur un des pots et atterrit sur son derrière dans une petite flaque de couleur rouge. Vite, sauvons ce qui peut être encore sauvé, s'écria le petit léopard. Il était le premier à s'en rendre compte qu'il ne resterait plus assez de couleurs pour finir. Surpris, les animaux s'aperçurent de ce qu'ils venaient de faire et arrêtèrent de chamailler. Ils essayèrent de racler quelques restes de couleurs, mais il en restait juste assez pour quelques petites touches pour le pelage de la hyène. « Et moi, alors, j'ai mis l'âne qui n'avait pas encore été peint. Est-ce que je vais devoir rester gris toute ma vie ?» Il se sentait tout triste et abandonné. Ce fut le jour de la grande fête. Fièrement, les animaux, merveilleusement peints, arrivaient à la cérémonie. Ils étaient somptueux dans leurs beaux habits. Les musiciens jouaient, les cuisiniers préparaient des mets succulents, et comme l'avait promis le roi lion, il y avait de tout en abondance. Ce fut une soirée de rêve, comme on en connaît en Afrique. On dansa jusque tard dans la nuit au son des chants et des tam-tams, et personne ne voulait rentrer chez soi. Ils étaient tous très heureux et remerciaient le roi lion pour cette si belle fête. Il n'y avait que le pauvre âne, resté gris, à se sentir malheureux. Il regardait les zèbres parader en remuant la queue. « Je ne peux plus rester ici, » se disait l'âne. « Ici, ils vont tous se moquer de moi. » Déçu et triste, il quitta les animaux sauvages. Alors il se souvint des hommes du village, dont les animaux ne parlaient qu'à voix basse. « Je pourrais peut-être me faire des amis là-bas, » se dit-il. Plein d'espoir, il partit entre-temps pour aller les retrouver. Les villageois l'accueillirent avec beaucoup de gentillesse et prirent soin de lui.
pour les remercier. Il les aida à porter l'eau et les lourdes charges, car personne n'est aussi fort et courageux que lui. C'est depuis ce jour que l'âne est le plus fidèle ami des hommes. Parfois, il lui arrive d'avoir la nostalgie de la savane, et dans la nuit africaine, on l'entend alors pousser ses i-an, i-an. Voilà. Alors, en fait, je vous ai lu qu'une partie, parce que le livre, il est écrit en trois langues. C'est un conte de Tanzanie qui est raconté par Agnès Mpata, qui est peint par Issa Tabit, le texte français par Elisabeth Brasier et Sylvie Carton-Pfister, et le texte est en tanzanien écrit par Jinsi Wanyama Waliviopata Rangizao et le texte est traduit par Barbara Schmidt Heidenhain en anglais. Donc il est en trilingue. Voilà. Magnifique livre qui est paru aux éditions. Donc ça s'appelle Des artistes à quatre mains, édition Angelica Brockhaus. Voilà. Et puis, j'espère que ça a plu à Eugénie, à Ferdinand, et puis aux autres personnes qui écoutent ce Twitch. J'étais très content de pouvoir lire une histoire comme ça, c'est génial. C'est génial, j'espère que... À qui sont Eugénie et Ferdinand? Eugénie et Ferdinand, c'est des enfants qui sont adorables, que j'adore. Voilà. C'est une partie de mes petits-enfants. Je ne sais pas comment on peut dire une partie. J'ai plusieurs petits-enfants. Sept, comme les bottes de sept lieux. Voilà, donc sept petits-enfants. Et voilà, il y en a deux qui sont là à écouter leur pépère. Parce qu'on m'appelle pépère. Parce que, ouais, je suis pépère. Vous ne trouvez pas que je suis pépère? Bon, enfin, ouais. Voilà, allez, on va terminer par une petite poésie. Qu'est-ce que je vais prendre? Ça, ce serait pas mal. Ouais. Bon, en fait, je sais pas si vous avez lu. J'irai après, une fois que vous m'aurez parlé. Est-ce que vous avez lu cette semaine? Est-ce que vous avez lu quelque chose qui vous a plu ou pas? Je suis pas le seul à lire quand même. Il y a plein de monde qui est là. Je ne sais pas, vous avez regardé un film, vous avez été à un spectacle. Vous n'avez pas envie d'en parler. Juste pour pouvoir en parler, il faut liker quelque part, je ne sais pas où. Il faut mettre le like, puis après vous avez accès au chat. Je lis l'adaptation en BD de La Horde du Contrevent de Damasio. La Horde du Contrevent. Ah ouais? Bon, Damasio, j'ai lu un bouquin justement que FX Cookham m'avait conseillé. J'avais beaucoup aimé, que je ne sais plus ce que c'est. C'était un bouquin sur le livre. Il y avait tout un truc autour du livre. Je ne me rappelle plus ce que c'était. Et La Horde du Contrevent, donc c'est un livre de Damasio. Qui vient d'être adapté en BD. Ah, je sais pas, peut-être que ça vaut le coup aussi de le lire en... D'accord. Alors, ça, je le note, parce que j'avais beaucoup aimé l'autre de Damasio que j'avais lu. La Horde du Contrevent, c'est noté. Ah, voilà. Voilà, il faut un peu forcer pour que les gens ils puissent nous dire ce qu'ils lisent. Quand même. Vous avez déjà lu Damasio? Moi, j'ai lu une fois et j'ai bien aimé. Voilà. Adapté depuis un moment. D'accord. Ok. C'est noté. Damasio. Voilà. Mieux vaut lire en roman d'abord. Ouais. Bah, ouais. J'avoue que la BD, j'étais très fan de BD pendant très longtemps. Et puis, aujourd'hui, la BD, j'ai un peu de mal. Même si j'ai lu la BD que je crois que je voulais présenter, Les Enfants du Placard.
Je vous ai présenté ça la semaine dernière. Voilà. Mais je lis très peu de BD, en fait. Voilà. Puis Damasio, c'est du roman, mais c'est quand même du roman avec y a quelque chose derrière, quoi. Moi, j'aime bien, quoi. Un petit Éluard, capitale de la douleur, pour terminer. La bénédiction. À l'aventure, embarque au nord, dans la trompette des oiseaux, les poissons dans leurs éléments, dans leur élément. L'homme qui creuse sa couronne allume un brasier dans la cloche, un beau brasier nid de fourmis. Et le guerrier, bardé de fer, que l'on fait rôtir à la broche, apprend l'amour et la musique. Je trouve magnifique. C'est marrant là, les formes d'écriture qu'il a. Allez, je vous lis celui qui est juste en face, qui s'appelle La Malédiction. Après la bénédiction, il y a la malédiction. Un aigle, sur un rocher, contemple l'horizon béat. Un aigle défend le mouvement des sphères, couleur douce de la charité, tristesse, lueur sur les arbres décharnés, lyre en étoiles d'araignée, les hommes qui, sous tous les cieux, se ressemblent, sont aussi bêtes sur la terre qu'au ciel. Et celui qui traîne un couteau dans les herbes hautes, dans les herbes de mes yeux, de mes cheveux et de mes rêves, celui qui porte dans ses bras tous les signes de l'ombre, est tombé, tacheté d'azur, sur les fleurs à quatre couleurs. Voilà, Éluard, capitale de la douleur, qui est reparu dans la collection Point Poésie au Seuil. Voilà. C'est la collection de ma bancoude dont je vous parle régulièrement. Voilà. Et il sonne 21h. Et voilà, c'est formidable. Je vous remercie toutes et tous. Je vous dis à mardi prochain. Vous me direz si vous avez lu des choses et tout. Je vais regarder pour la Horde du Contrevent. Et puis, je vous souhaite de beaux moments de lecture, de pas lecture. Écoutez les mots de la nature, écoutez, parlez les personnes autour de vous. Souvent, c'est très beau. Voilà. Je vous embrasse. Bonne semaine et bonne soirée. Salut!